Le but du SEO, soit l'optimisation des moteurs de recherche, est de permettre aux robots des moteurs de recherche de 1. Trouver votre page web et 2. De classer vos pages en haut des résultats des moteurs de recherche, car les 5 premières positions ont un taux de clic 2 à 5 fois plus élevé que les autres, comme démontré dans ce schéma. Comment se déroule ce travail continu? On parle souvent des trois piliers du SEO. 1. Le contenu, choisir les bons mots-clés à utiliser dans votre texte. La deuxième, la technique, optimiser la structure de votre site, c'est-à-dire maîtriser les fondamentaux techniques pour que les moteurs de recherche indexent correctement votre site. Et 3. Le backlinking. En tissant un système de liens pointant vers votre site, vous suscitez la confiance des moteurs de recherche. Ces liens sont appelés un backlink, comme schématisé ici. Attention, préférez la qualité à la quantité afin de fournir des résultats pertinents et dignes de confiance. De penser à votre public cible et leurs mots-clés. De partager sur les médias sociaux afin de rendre votre site plus visible. 3. D'utiliser des backlinks pour améliorer le classement de votre site web. Et enfin, tester, mesurer, entretenir son SEO. Si tout cela vous semble complexe et chronophage, sachez qu'il existe des outils automatisés tels que SEMrush, Google Search Console et des services d'experts pour vous aider. Comme je l'ai dit au début, le processus d'optimisation SEO n'est pas un processus ponctuel, mais nécessite un réglage et une surveillance continue.